Il faut arrêter de. Il faut arrêter de rêver. Il faut pas dire n'importe quoi. Il reste 4 matchs. Faut que les autres ils perdent beaucoup de matchs aussi. C'est impossible. Mais si, j'attends, comme j'ai dit après le match de Nice, où on a abdiqué. On ne veut pas travailler défensivement, on veut attaquer, mais on ne veut pas défendre. Mais il va falloir se mettre dans la tête que si on veut gagner des matchs, il faut défendre quand on n'a pas le ballon. Mais ceux qui ne veulent pas le faire, ben, ils ne joueront pas. Non, mais il y a pas ces deux matchs. Les 4 matchs qui restent en championnat sont importants et il faut qu'on termine dans les 10 premiers. Ah, il faut qu'on gagne on essaie de gagner les 4 matchs en jouant ensemble quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. En mettant de l'intensité qu'on peut mettre et le temps qu'on peut le mettre et qu'on le mette à fond et qu'on arrête de choisir ce match. On verra, je vais pas dévoiler ce que j'ai en tête. Je ferai comme j'ai envie et par rapport aux joueurs qui vont me montrer l'état d'esprit qu'ils vont afficher, que ce soit individuellement et collectivement. Après, je choisirai. Parce que c'est facile de dire, moi, je me repose et je joue contre Paris. Il faut travailler. La semaine, il faut travailler. Pour être forme contre Paris, pour être en forme contre Paris, il faut travailler toute la semaine et être prêt à courir sans ballon, parce que ils ont l'art de faire courir sans ballon. S'ils veulent jouer Paris, eh bien, il faut qu'ils travaillent. Hein. Qu'ils travaillent bien, qu'on gagne déjà contre Saint-Étienne, qu'on ait la volonté de gagner contre Saint-Étienne. On ne sait pas si on va gagner, parce qu'il y a un effectif en face qui s'est requinqué, même si elle a perdu les derniers matchs chez elle. Voilà, c'est une équipe à l'extérieur qui reste sur des bons résultats. À nous de faire ce qu'il faut pour les faire chuter. Mais ce qu'il faut, c'est ce qu'on n'a pas fait à Nice. Hein. Mais il a pratiquement récupéré tout son monde. Voilà, il a des remplaçants qui sont capables de rentrer et d'être dans le même niveau que ceux qui démarrent. C'est une équipe costaud qui met beaucoup d'intensité, qui met beaucoup de pressing, voilà, qui peut être dangereuse et qui a des points faibles aussi. Non, 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 c'est pas l'aspect défensif, c'est de vouloir bien attaquer et quand on n'a pas le ballon. Voilà. Il y a des rendez-vous à donner à l'adversaire dans certaines zones et pas vouloir faire ce qu'on veut n'importe comment et les uns après les autres, qu'on le fasse ensemble. Et chacun dans son registre. Et quand je suis défenseur, quand je monte, ben je reviens encore plus vite. Ben, je reviens en marchant. À jouer à Nice. On a joué 5 minutes, comme on avait joué 10 minutes contre Nantes. Moi non, moi je préfère qu'on reste à 20. Pas ça enlève des postes pour les coachs, pour les staffs. Et quand j'entends hier des joueurs qui disent on joue trop, on joue la Coupe d'Europe, on joue trop. Moi j'ai envie de jouer beaucoup. Hein. Quand j'étais joueur, je préférais jouer que pas jouer. Hein.